Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvelle chemise. Alors oui, aujourd'hui je suis excité à fond pour faire cette vidéo parce que je vais parler de vendre sur le bon coin, comment gagner beaucoup, rapidement et facilement. Voilà donc, je vais vous donner tout, ça va être une tuerie. Avant que cette vidéo commence, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, ça va être du lourd. Je vais vous donner un vendeur qui pèse, produit gagnant, niche gagnante, fournisseur, optimisation, on va parler de tout de A à Z. Sur le bon coin. Et bien évidemment que YouTube, c'est de la bombe, oui, mais c'est un amuse-gueule, les amis, parce que ce que je vous partage dans LBC, c'est la formation ultime, c'est les informations ultimes. Il vous reste juste quelques heures pour rejoindre LBC, qui est ma formation Le Bon Coin, faite en juin 2024. Vous avez jamais vu ça, c'est du lourd. Et enfin, depuis 4 ans après, je sors une formation Le Bon Coin, parce que j'en parle depuis 2020 sur YouTube. Formation Le Bon Coin, où je vous donne tout, de A à Z. Ce que je vais vous donner là sur YouTube, c'est un amuse-gueule, c'est l'entrée, c'est le début. Et ce que je vous donne dans LBC, ben c'est tout. Il y aura une trentaine, voire une quarantaine de vidéos en fait. Je suis toujours sympa. J'ai dit que j'en faisais une trentaine, au final il y en aura une quarantaine. Il y a plus de 2 heures de contenu. Bon, je vous donne tout de A à Z. Il y aura fournisseurs, niche à la balle, des trucs de qualité, des pépites sur pépites, des trucs que vous n'êtes pas prêts. Voilà. On va parler outils, automatisation, etc. Vous avez juste à cliquer « Je veux LBC ». C'est le seul lien dans la description. Vous cliquez « Je veux LBC ». Vous remplissez, c'est 37 balles, c'est cadeau. Demain, ce soir minuit, hein, faut pas oublier, il reste à l'heure où je filme, il reste 7h et quelques. Donc ce soir, le 6 à minuit, c'est-à-dire ce soir minuit, le prix va doubler. Donc il vous reste juste quelques heures, après je vais monter à 67, 77 selon mon humeur, on verra bien. Et cocher la case pour prendre les 100 produits, je vous le conseille, c'est 17€ en plus, donc ça fait 54 au total. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, vous pouvez prendre que la formation à 37. Voilà, donc ça va être du méga lourd, que ce soit cette vidéo ou la formation, donc restez bien branchés jusqu'à la fin. Et let's go, je vais partager mon écran et on y va. Vous avez le lien en dessous si vous voulez rejoindre LBC, likez, abonnez-vous et c'est parti. On attaque la vidéo les amis, je suis chaud, patate aujourd'hui. Donc let's go. Tac, partage. Donc maintenant, voilà, on va aller sur le bon coin d'entrée. Première chose qu'il faut voir, alors il faut comprendre une chose déjà, quand vous essayez de vendre en ligne, vous essayez de gagner beaucoup d'argent en ligne. Vous voulez gagner de l'argent, vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu, vous ne faites pas assez de ventes ou quoi. Le but, déjà, il faut déjà se renseigner un peu sur le marché. Il faut savoir, il ne faut pas dire « Oh, je pense que ça vendra bien », il ne faut pas jouer avec les sentiments, se dire « Voilà, si et là, non, c'est pas bon ». On va se baser sur des données concrètes et des chiffres. Pas de feeling, pas de sentiment, rien du tout. On va aller voir sur le marché des vendeurs qui vendent bien, qui font du gros cash, de 1. Et on va s'inspirer de, on va pas les copier-coller ou quoi, mais on va s'inspirer des vendeurs qui vendent bien. Puis on va trouver des produits ensemble ou un produit ensemble qui cartonne. Puis on va trouver un fournisseur ensemble. Puis on va mettre tout ça en ligne. Donc c'est pour ça que cette vidéo est super, parce que je vous fais du début à la fin. Let's go. Allez, on partage. Première chose, Le Bon Coin. Vendre sur Le Bon Coin, comment gagner beaucoup, rapidement et facilement. Donc on est sur Le Bon Coin, ok? Leboncoin.fr. Première chose, alors les niches, je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, il y a beaucoup de niches qui marchent bien, il y en a certaines qui marchent beaucoup mieux que d'autres, hein, j'en ai noté 4 qui marchent le mieux. On va se focaliser sur une pour l'instant. On va prendre quoi? Allez, on va dans l'électronique et on va... on va prendre n'importe quoi. On va essayer de télévision. On va regarder, on va voir ce qui se passe dans les télévisions. Et là, la première chose, la première indication que les vendeurs font du cash, c'est les avis, bien sûr. S'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'avis, c'est qu'il a beaucoup vendu. S'il n'a pas beaucoup d'avis, c'est qu'il n'a pas beaucoup vendu. Ça paraît logique, mais bon, il n'y a pas des fois tout le monde. Ça ne clique pas tout le temps dans votre tête. Et le fait que les gens aussi mettent à la une, ça veut dire qu'ils payent pour être devant, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'ils ont du budget et ça veut dire que c'est rentable. Voilà. Donc on va chercher des vendeurs qui ont des gros avis, c'est-à-dire plus de 100 au moins quoi. Le but ça va être de trouver un vendeur qui a plus de 100 avis, qui fait du cash. 12, 11, 4, on est dans télévision, enfin tâtons, j'ai rien préparé vraiment, bon je sais de quoi je vais parler bien sûr, après j'ai l'expérience, j'ai l'habitude, j'ai pas besoin de préparer des trucs 10 ans à l'avance, je fais ça depuis 2016 donc pour moi c'est normal, mais je fais exprès de pas tout préparer à l'avance parce que c'est du préchauffé, je veux le faire devant vous, devant vos yeux, comme ça vous voyez un peu le processus de recherche, comment je fais pour trouver des bons produits, comment on fait pour gagner de l'argent de A à Z, parce que si j'avais tout préparé à l'avance ça serait un peu cheaté, c'est de la triche et ça serait un peu du préchauffé, c'est pas intéressant. Voilà. Donc voilà, 95, ça commence à être intéressant. On descend, on essaie, le but, c'est 100 minimum, 100 avis minimum. Après, si dans la télévision, il n'y a rien, on ira voir ailleurs, c'est pas grave. Hein. Bon. Après, je ne vais pas dans la page 2, généralement, parce que bon, c'est pour trouver des gens qui... Généralement, les meilleurs vendeurs sont en premier. Bon, on va dire que télévision, c'est pas ouf. C'est pas grave. On continue. On peut descendre, on peut aller dans...
elle est dans les consoles, pourquoi pas. On va dans les consoles, c'est un truc très populaire qui marche très bien. 49, ok. 407, ben voilà, oui. Quand on veut, on trouve. Et il s'appelle Cash Celestat. Celestat. 407 Pro Top Vendeur. Ben voilà, déjà on a trouvé, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On va aller regarder son profil, ok. Alors, s'il est pro, c'est vrai que... On va aller voir son profil. Bon, bon, numéro de téléphone, adresse, on s'en fout, c'est pas le but, il est inséré, donc lui, il est pro, c'est pour ça qu'il... Voilà. Et du coup, le but, c'est de regarder sa boutique, de voir ce qu'il vend. Là, il vend des manettes de Play 5. Ça vend super bien, ça, on le sait, c'est pas nouveau. 30 balles, c'est vraiment pas cher, parce que généralement, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Alors, est-ce que... Alors, je vais pas voir ses autres annonces. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. On va voir Quentin. Quentin 21. Voilà, 29 annonces. C'est ça que je veux voir. Alors, c'est parce qu'il est particulier, c'est mieux. Quentin 21, 29 annonces, 174 avis. Donc, on va cliquer sur Quentin. Quentin, notre ami, qui est membre depuis 2015. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il a, il a beaucoup d'avis, parce qu'il l'a depuis longtemps. Bouches-du-Rhône, olé, yeah. Et 174 avis. Il a 28 annonces, il vend quoi ? Il est spécialisé dans les jeux vidéo. Bon, il revend ses jeux vidéo à lui, mais ça ne veut pas dire que c'est du particulier de l'occasion, que ça ne marche pas, ça veut dire que vous pouvez derrière acheter pas mal d'accessoires de jeux vidéo pour les revendre. Vous voyez ? Il fait du jeu vidéo. Et j'ai l'impression que son profil se porte bien, parce qu'il a quand même 174 avis, ça veut dire qu'il a fait au moins 174 ventes sur le bon coin depuis 2015, vous allez me dire. Bon, mais c'est quand même pas mal, parce que le système d'avis n'existait pas il y a 10 ans en arrière, donc voilà. Il a une description qui est bonne, prix ferme, bon, j'ai le relais, photo, ben, c'est nickel, vous voyez comme il fait. Inspirez-vous de ce genre de choses, une description claire, nette et précise, avec des tics, comme ça c'est visible. Il a mis des émoticônes de partout, et il a mis prix ferme, bon, j'ai le relais, donc il dit qu'il envoie, c'est nickel, peu utilisé, il est vraiment une très bonne description, et le titre, il peut faire mieux, mais c'est pas mal déjà, c'est pas mal, il est quand même assez bien ranké, on va dire. Et on continue, j'essaierai de trouver quelqu'un qui pèse un peu plus. J'ai rien contre Quentin, mon ami. Je sais que t'es sympa, Quentin. Je te connais pas, mais je suis sûr que t'es quelqu'un de sympa. Ben ouais, il est partout déjà, Quentin, dans les jeux vidéo. Il rank bien. Vous avez vu comme il rank ? Quand on est bon, hein, regardez. Il rank là, il est troisième des résultats de recherche. Il est troisième, il est sixième, il est septième. Donc il est un peu partout, quoi. Et il est même huitième ou neuvième, quoi. Voilà. Il est partout, quoi. Et voilà. Et le but, c'est qu'on va trouver quelque chose qui marche bien. Là qu'on a compris que jeux vidéo, déjà, ça marche bien. On le sait. Je vous l'avais déjà dit. Auparavant, on sait que ça marche bien, bien sûr. Allez, on va tester rapidement une en plus. On va prendre une catégorie en plus, parce que moi, ça me fait plaisir de faire ces recherches. Je kiffe, j'adore. On va aller dans l'Apple. Apple, on s'en fout, on va regarder, parce que on va voir s'il y a des gens qui pèsent dans Apple, s'ils font des gros chiffres. N'hésitez pas à descendre en bas de la page. Hein. Pas besoin d'aller dans la page 2, 3, 4, 5. Essayez d'aller plus bas. Voilà. Dans la formation, j'ai trouvé des dropshippers et des gens qui font ça en mode sous-marin, des dropshippers, et je voulais partager dans LBC. Voilà, là, je le partagerai pas, bien sûr, dans la vidéo, parce qu'il y a des informations privées que je partage pas. 79 annonces. Allo Ben. Allo Ben. Il est spécialisé iPhone. Ok. Bon, il est pro, mais on voit pas ses avis, quoi. C'est un peu dommage. C'est pour ça que je préfère ne pas regarder, parce que je veux quelqu'un qui a un historique de vente prouvé, établi, quoi. Vous voyez, c'est important d'avoir quelqu'un qui pèse. Ok ? On continue, tac, tac, tac. Bon, peut-être que on enchaîne, on va aller dans l'électroménager, pourquoi pas. On va essayer de trouver quelqu'un qui pèse sévère, qui pèse lourd. Qui a au moins 100, 200 avis, quoi, ça serait bien. On sait que les jeux vidéo, ça marche bien. Je vais essayer d'en trouver un deuxième pour la route, parce que j'ai envie, je suis en mode... je suis généreux aujourd'hui. 148, allez, Madame Sabrina. Allez, Madame Sabrina. 148 avis, pro, top vendeur, super. Par contre, je peux pas voir le nombre d'annonces que vous avez, donc est-ce que c'est la seule que vous avez ? Il n'y en a pas d'autres. Ou alors vous les avez cachées, mais je pense pas. À mon avis, c'est qu'il n'y a pas d'autres annonces. Et en bas, vous avez des suggestions. Des annonces qui peuvent vous intéresser, ça c'est top aussi. C'est des suggestions de vendeurs similaires. Ah non, Madame Sabrina, elle est là aussi, ouais, d'accord. C'est qu'elle a caché ses annonces pour pas qu'on aille voir ce qu'elle vend. Mais quand on descend, on peut quand même voir sa boutique, ici. Donc on peut voir d'autres produits d'elle.
Donc on sait qu'elle vend un verre Ricard. Bon, ok, cool. Bon, après, c'est un classique et vous allez me dire que ça vend ce genre de truc, ça vend tout le temps. Et elle vend aussi, on a vu de. C'était du quoi du Gillette. Gillette. Tout ce qui est beauté, bien-être, boisson. C'est un peu mélangé, quoi. Bon, vous avez compris le principe, je vais pas m'attarder trop longtemps sur ça, parce qu'il y a des gens qui vont s'ennuyer et quitter la vidéo, et c'est pas bien pour mon algorithme, c'est cool, vous me fracassez. Bon, donc voilà, vous avez compris, vous allez dans les catégories intéressantes, je donne toutes les niches qui cartonnent dans la formation, bien sûr, et vous regardez comme ça pour trouver un vendeur déjà. Bon, après, les produits. Alors le produit, ben, vous pouvez regarder leur boutique, s'en inspirer. Ben là, on a vu jeux vidéo, on peut trouver des produits qui vendent bien, donc c'est tout ce qui est jeux vidéo, après beauté, santé, machin. Ce qu'on va faire, on va passer à l'étape suivante, trouver un produit gagnant en dehors de Le Bon Coin, un produit qui cartonne nous-mêmes directement sur un des fournisseurs. Et où on va aller, bien évidemment, j'ai bien envie d'utiliser un fournisseur pas cher qui livre rapidement, pour faire de l'achat-revente ou autre, un fournisseur pas cher qui livre rapidement, et qui a vraiment des tarifs tellement bas qu'on peut faire au moins du x2, x3, x4 en marge. Vous devinez de qui je parle. Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné, mais bon, je pense que c'est pas très compliqué. Il y a deux options qui me viennent à la tête, c'est Temu ou AliExpress. Allez, on va faire cette fois-ci avec AliExpress, comme ça, on met un peu un break sur Temu, parce que j'ai parlé beaucoup de Temu récemment dans mes vidéos. Donc on va aller sur AliExpress, on va trouver un produit dans la niche, allez, jeux jouets ou jeux vidéo, quelque chose comme ça. Un projet qui peut cartonner sur Le Bon Coin, on va le faire ensemble en live. Let's go. On va sur AliExpress. Tac. Voilà. Ah, ça crache un peu là, c'est quoi ça? Oh, allez, dépêche-toi. J'ai pas toute la journée là, dépêche-toi là-haut. Moi j'aime bien quand ça swing, quand ça va vite. Bon. Ouais, ça rame un peu. Bon, ok, voilà. Donc première chose, vous mettez le drapeau français. Alors, non, ça je vais l'enlever. Voilà. Vous mettez le drapeau français ici. Livraison France, parce que vous êtes la plupart d'entre vous en France, bien évidemment, vous l'avez compris. Si vous êtes à l'étranger, bon voilà, mais pour Le Bon Coin, on va dire que si vous voulez commander quelque chose, il vaut mieux mettre France. Drapeau France, on va aller, comme je l'ai dit, je vais pas prendre... On va regarder. Tac, une catégorie intéressante, on avait dit qu'on allait faire jeux jouets. Jeux jouets, mais j'avais envie plus de... Le gaming, plutôt pas les jeux joués pour enfants, quoi. Jeux joués, et après je vais sélectionner une sous-catégorie, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas trop de jeux vidéo. Bon, j'ai dû rater, j'ai pas vu, je suis peut-être un peu KO, là. Électronique, alors ah, voilà, c'est ça, c'est dans électronique, jeux accessoires, volants, machin et tout. Ok, électronique. C'est bon, électronique, console, jeux vidéo. Super, on va aller dans ça, ou dans jeux vidéo direct. On va aller dans console, il y a des volants, il y a des consoles, il y a des jeux vidéo... Console, jeux vidéo portable. Pourquoi pas aussi, ça peut être sympa aussi. Bon, on va prendre ça. On va rester sur la liste jeux vidéo parce que c'est quelque chose qui marche bien. On va filtrer par commande, ok les amis. Parce qu'on veut des produits qui se vendent bien. Alors après, ça va être votre budget. Les gens, si vous n'avez pas beaucoup de budget, mettez un prix ici maximum. Par exemple, on va dire votre budget c'est 20 euros maximum. Vous mettez 20 euros maximum, ok. Vous cliquez sur le bouton, ok. Et voilà. Alors des fois, ça bug. Ça marche pas tout le temps. C'est pas grave, on l'enlève. Et on revient à la recherche initiale. Donc là, c'est ici. On a fait nos recherches, on a filtré par commande, on est bon. Donc maintenant, il faut trouver un truc pas cher qu'on peut revendre beaucoup plus cher sur Le Bon Coin. Par exemple, voilà, déjà ça, moi je vois mini console de jeu. Quand je vois ça à 6 euros, dans ma tête, je sais que je peux le revendre entre 15 à 20 déjà. Donc c'est du x2,5 x 3 garantie, on va dire. Parce que ça, c'est un truc qu'on peut, ça peut se revendre 15-20 euros facile. C'est à 6 euros sur AliExpress, on peut se le faire livrer sous 6 jours. Alors gratuit, dès 10 euros, c'est pas grave, vous en prenez deux, vous avez livraison gratuite, voilà, tranquille. Et vous allez vérifier aussi les avis, c'est bon, 4,9, plus de vendus, 50 000 vendus. Le vendeur qui vend ça, normalement, il est en bas. Alors des fois ça bug, il n'y a pas toujours tous les vendeurs. Des fois il cache le profil, ou des fois c'est pas disponible, ou des fois il faut... Voilà. Mais bon, c'est pas grave, avec des avis comme ça, on sait très bien qu'on peut pas se faire arnaquer. Quand je dis sur AliExpress, pour se faire arnaquer, faut vraiment le faire. Faut vraiment pas avoir de cul, ou alors acheter chez quelqu'un qui vient d'ouvrir son compte hier, quoi. Voilà, donc vous savez que lui, à mon avis, il pèse. Normalement, on voit les données du vendeur ici, mais c'est pas tout le temps visible. Ça arrive que des fois, il cache le vendeur que c'est. Peut-être que le vendeur a choisi de cacher sa boutique, c'est possible. En tout cas, voilà.
on a ce produit, on va se baser sur ça. Ok, simple. Vous allez commander, vous allez en prendre deux, comme ça vous avez livraison gratuite des 10 euros. Vous recevez ça en 6 jours chez vous. Vous avez ça chez vous. Étape suivante. Donc déjà, on a trouvé des vendeurs qui pèsent, on a trouvé une idée de jeu vidéo, quoi. On a trouvé un produit gagnant, il est là. On a trouvé un fournisseur, c'est AliExpress. Nickel. Maintenant, ça va être mettre ça en vente sur Le Bon Coin, les amis. Ok ? Donc, première chose, ne volez pas les photos d'Internet, s'il vous plaît. Faites vos propres photos. Ok ? Donc, important, vous recevez ça, vous prenez vos photos vous-même. Là, vous mettez un fond gris, un fond noir, un fond sympa. Évitez les fonds blancs, c'est mieux d'avoir un fond réel. Évitez le fond bordélique aussi, s'il vous plaît. Faites un truc sympa, quoi. Je veux dire, évitez que ce soit le chaos derrière et faites en sorte que ce soit un appareil photo que vous utilisez, quoi, un téléphone Full HD, quoi, c'est pas pixelisé, c'est pas un 3310 des années 40 qui prend pas de photos, quoi, de toute façon. Mais voilà, prenez un téléphone de haute définition. On a tous de nos jours des smartphones HD, voilà, Full HD, qui prend de belles photos avec un fond sympa. Voilà, vous mettez le. Vous pouvez très bien, si vous êtes un gamer, vous pouvez même le poser droit à la console, machin, avec un fond d'écran sympa, des lumières, bon bref. Soyez créatif. Si vous ne savez pas comment mettre ça, vous mettez mini console jeu vidéo portable. Si vous n'avez pas d'idée, vous n'êtes pas inspiré. On va dire que vous n'êtes pas très créatif. Ça arrive. Vous allez dans images et vous vous inspirez des photos que vous trouvez sur le net. Voilà, par exemple, ça c'est sympa, vous voyez. C'est vraiment sympa. La main comme ça qui vole, c'est une très bonne idée. Ça aussi c'est sympa. Avec le fond un peu coloré. Ça aussi, devant la télé, comme c'est en train de jouer, c'est super, c'est une très bonne idée. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave, vous pouvez très bien vous inspirer des idées du net, vous pouvez très bien aller sur Le Bon Coin même, et voir s'il y a de belles photos, et voir aussi comment les gens le vendent, pourquoi pas. Vous voyez, 15 euros, j'avais raison, on l'achète à 6 euros, on peut le revendre 15. Donc c'est déjà du x2,5 garanti dans la poche, quoi. Bon après, voilà, 20 euros, vous voyez, on l'a trouvé à 20 euros. Ben voilà, 20 euros déjà, vous savez qu'on est bon. On est dans les prix, ben, y a des gens qui le vendent même 40 euros, quelqu'un qui le vend 40 euros. Qui a eu un peu la même idée que nous, mais il a été très gourmand. À mon avis, il va galérer pour les vendre. Ne soyez pas trop gourmand, les amis. Si on l'achète à 6 euros, mettez ça entre 15 à 25 euros maximum, quoi. Évitez la 40 euros, c'est un peu abusé, quoi. Voilà. Donc, c'est bien de rester fair et juste dans les tarifs. N'escroquez pas les gens. Et surtout, soyez juste et restez dans les prix du marché. Parce que quand c'est trop cher, les gens le savent, ils ne vont pas acheter, quoi. Parce que 40 euros, ça fait mal au derche. Alors, à part si là, il en vend deux, j'en sais rien. Mais à mon avis, non. Bon, après, je veux pas clasher les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, moi, j'aurais pas fait comme ça. Surtout qu'il a pris les photos, il s'est pas fait chier. Il a pris les photos d'AliExpress, il a mis 7 fois plus cher, quasiment. Donc, ouais, voilà. Après, si ça marche pour lui, tant mieux, mais bon, moi, j'aime pas faire du business comme ça. C'est pas l'idéal. Donc, bref, on a ça, on le commande, on le reçoit chez nous, tranquille, on fait de belles photos. Ok ? Alors, si vous voulez faire en drop, j'en parle dans la formation LBC. Le drop, j'en parle dans la formation. Là, on va se consacrer sur l'achat-revente. Puis, on va sur Le Bon Coin. On a chez nous, on a les belles photos, nickel. On va sur Le Bon Coin, on va mettre déposer une annonce. Okay. Le titre, très important. Vous pouvez vous inspirer de celui de Le Bon Coin. Alors, faire une annonce optimisée, c'est super important, les amis. Ne faites pas une annonce pourrie parce que les gens ne vont pas vous trouver. Ils vont galérer. Vous allez galérer à être référencé. Vous allez avoir aucune vue, aucune visite, aucune vente. Voilà, c'est important de faire un bon titre, de belles photos, une belle description. Important. Donc on va prendre le titre déjà. Mini console de jeux vidéo portable, rétro, pour enfants, lecteur de jeux, document LCD. Voilà, on enlève le mot document, on va enlever les virgules. Construit en 3.0, jeu, bon non c'est nul, 8 bits, 500 pouces, à mon avis il y a un bug. C'est pas 500 pouces, à mon avis, c'est 500 jeux. Voilà, 500 games, c'est 500 jeux. Donc, on va mettre mini console de jeux vidéo portable, rétro, 500 jeux. On va le mettre d'entrée, quoi. Voilà, 500 jeux. Ok, voilà. On a répété le mot jeu deux fois, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, c'est important. 500 pouces. Ouais, faites gaffe avec les traductions AliExpress, des fois, c'est un peu approximatif. C'est pas top. Donc voilà, mini console de jeux vidéo portable, rétro, 500 jeux pour enfants, lecteur de jeux, LCD, 8 bits. Bon bref, on peut laisser comme ça. Pour l'instant, ça me paraît bien. La couleur, peut-être, ça serait bien. On va mettre bleu. Console bleue. Avec un E, parce que c'est féminin, c'est une console. Voilà. Tac. Je pense qu'on est bon. Est-ce que j'ai oublié des mots-clés cruciaux ? Je pense pas. Jeux vidéo, bleu, machin. On va pas mettre Game Boy, on va éviter parce que ce serait de la contrefaçon. On va se faire descendre l'annonce.
Et on mettait dans jeu vidéo, ou console peut-être. En console. Voilà. Offre, rétro gaming, Antiberg, le modèle Antiberg. Alors, Antiberg. Non, on va dire que si vous ne connaissez pas le modèle, ne mentez pas. À mon avis, c'est du générique. On va juste mettre générique autre. Voilà, état, ben, état 9. On continue. La description, on fait un truc sympa. On peut s'inspirer de celle d'AliExpress, bien sûr. Mais il ne faut pas que ça fasse trop copier-coller ou trop pro, parce qu'après, c'est un peu bizarre, quoi. Vous voyez ? On va... Vous allez comprendre. Je vais prendre la description et je vais supprimer les trois quarts des trucs. Vous allez comprendre pourquoi. On prend ça et on va filtrer nous-mêmes. OK ? Donc déjà, design rétro. Voilà, écran LCD doté d'un truc 3 pouces. Écran LCD 3 pouces, ça suffit. On ne va pas développer pendant 3 jours. Hein. On est sur le bon coin, on n'est pas sur Amazon ou quoi. 500 jeux intégrés, voilà. Très important d'inclure ça. Faites pas des descriptions trop pro parce que c'est pas le but. Rappelez-vous de ce que Quentin, le bon vendeur, ce qu'il faisait là. C'est un peu le même principe. Résolution, voilà. Tac. Mettez que les infos supportent l'anglais. Bon, supporte le anglais. Bon, on va éviter. On enlève, on s'en fout. Origine Chine, on l'enlève. Nom du produit, on l'enlève. Matériel, on l'enlève. Le poids, on peut le laisser. La taille, on le laisse. C'est pas la taille, c'est les dimensions déjà. On met juste dimension et on met juste poids, quoi. Parce qu'on va éviter de trop s'enflammer, quoi. On peut mettre la capacité de la batterie, voilà, on laisse. Ça, c'est bien, quoi. Batterie amovible, très bien, très bonne information. Et les câbles. Accessoires, batterie, câble, plus manuel. Couleur du produit, on enlève. Et voilà, on est bon. Et derrière, vous mettez envoi possible. Et vous mettez livraison rapide et offerte. Alors, si vous voulez, c'est mieux. Voilà, envoi possible, livraison rapide et offerte. Ok, c'est mieux, encore une fois. Voilà. Et si vous voulez pas que les gens négocient, vous mettez prix ferme. Ça évite que les gratteurs arrivent. Ok, voilà. Envoi possible, livraison rapide et offerte, prix ferme. Voilà, au moins c'est bon, on est nickel, on continue. Derrière le prix, alors il vous dit entre 12 à 72 euros. On sait qu'on le chope à 6 euros. Donc, allez, on met ça à, je sais pas, 19. Vous pouvez mettre ça à 24, 19, 24. Je le mets à 19, comme ça je suis moins cher que la concurrence. Comme ça, je vendrai plus vite. Et on laisse, bien sûr, la remise en main propre. On peut la désactiver. Et on laisse les livraisons, bien sûr. Et on continue. Et c'est parti, let's go. Et vous mettez les photos que vous avez prises chez vous, etc. Alors maintenant, après, vous mettez vos photos, etc. Bon, voilà, vous l'avez compris. Vous choisissez la localisation. Une grande ville, c'est mieux pour avoir plus de visibilité. Derrière, vous mettez vos coordonnées, téléphone, machin. Et après, ça sera derrière validé pour la pub, etc. Alors maintenant, si vous avez une bonne marge, mettez la pub. Si vous faites une très bonne marge, si vous voulez mettre 25-30 euros, vous pouvez mettre à la une ou tête de liste ou quoi, ça va vous coûter entre, je sais pas, entre 2,50 et 5 euros. Voilà, évitez les trucs qui coûtent 11. Alors, la pub qui coûte plus de 5 euros, évitez, parce que ça fait trop cher et vous allez perdre toute votre marge. Si c'est entre 2,50 et 5 euros, ça passe. Vous pouvez mettre la pub là, à la une, urgent, ou truc comme ça. Ou tête de liste chaque semaine ou quoi. Voilà. Mais c'est important de mettre la pub parce que plus de visibilité, plus de ventes. Mais il faut que vous ayez une marge intéressante. Si vous n'avez pas de marge, ne mettez pas de pub. Voilà, simple. Après, derrière, maintenant, comment arriver à faire des gros chiffres et gagner beaucoup rapidement et facilement avec ça ? Vous allez juste répéter le processus. Vous allez repérer des bons produits, vous allez repérer des bons vendeurs, vous allez aller sur Temu ou sur AliExpress, par exemple. Encore une fois, dans la formation, je vous partage 16 fournisseurs. Là, je ne vous en donne que 1 ou 2, mais dans la formation, il y en a 16. Et même 18, il y en a... Bref, je vous ai dit... En fait, j'ai annoncé 30 vidéos, 2 heures de contenu dans LBC, mais au final, il y aura 42 vidéos... Et beaucoup plus que 2 heures. Bon bref, vous verrez, je suis toujours plus généreux. C'est pour ça que les gens me suivent depuis tant d'années et achètent mes formations, parce que je suis plus généreux que ce que j'annonce. Je donne toujours beaucoup plus de contenu que ce que j'annonce. Voilà. Donc, vous prenez... Allez, là, j'ai pris AliExpress parce que c'est le plus simple. Tout le monde connaît. La Chine, c'est pas cher. On revend en France plus cher, la base. On prend sur AliExpress et vous répétez le processus. Là, j'ai fait avec une console de jeu rétro, mais vous pouvez faire ça avec, je sais pas moi, un aspirateur, un téléphone portable, une souris, un portefeuille, des produits de... Ah, les produits de beauté, faites gaffe, sauf de Chine, évitez. Voilà, il y a plein d'objets pour la maison,
pour le jardin, pour les enfants. Voilà, il y a plein de trucs, vous pouvez faire du gros cash, je vous donne toutes les niches qui cartonnent dans la formation aussi, il y a tout, vous avez tout en fait dans le LBC. D'ailleurs, c'est, au passage, si vous voulez rejoindre LBC, n'oubliez pas que ce soir, ça finit, LBC finit, donc l'offre finit, c'est moitié prix pendant 7 heures encore, jusqu'à ce soir minuit, le 6 à minuit aujourd'hui, ce soir minuit, vous avez l'opportunité de, le choper, de choper la formation à 37 euros. Dès demain, je la double à 67 ou 77 selon mon envie. Voilà, mais ça va faire x2 minimum. Donc, vous aurez perdu l'occasion de l'avoir à bas prix. Voilà. Donc, premier arrivé, premier servi. Il n'y aura aucun retardataire accepté. Donc, vous avez un lien dans la description en dessous. Cliquez, je veux LBC. Et vous pouvez rejoindre la formation complète Le Bon Coin où j'apprends tout de A à Z. Encore une fois, ce que je vous ai partagé là en vidéo, c'est un amuse-gueule. Parce que vous avez quoi? Vous avez 25 minutes, une demi-heure. La formation, elle fait 2 heures. Et c'est des vidéos petit format où je bombarde, en fait. Où je vous donne. C'est des vidéos beaucoup plus courtes, où il y a beaucoup de contenu de valeur, où il n'y a pas de blabla YouTube, où il n'y a pas de like, comment, il n'y a rien, voilà. C'est des vidéos courtes, ça peut aller, je sais pas, ça va de 3 à 5 minutes, ça dépend. Des fois, j'ai des vidéos à 8, 10, 11 minutes, bon, ça dépend. Mais en moyenne, on va dire 5 minutes, où je vous donne beaucoup de valeur et vous pouvez passer à la suite. J'ai remarqué que les gens qui achètent des formations, ils veulent du contenu dynamique, du contenu où ça tord pas. Ils veulent qu'en 2 heures, ils aient visionné une formation et ils peuvent l'appliquer direct. Ben, c'est ce que j'ai fait, plein de petites vidéos de 5 minutes où en moyenne, il y a des vidéos à 8 minutes, 11 minutes, des vidéos peut-être à 3 minutes, ça dépend. Et c'est beaucoup de vidéos, une quarantaine de vidéos comme ça, où je donne beaucoup d'informations en une période très courte, quoi, une durée très courte. Ce qui vous permet d'assimiler rapidement, de ne pas vous endormir, de ne pas quitter la vidéo, de ne pas abandonner, parce que si je fais des vidéos chaque vidéo une demi-heure, les gens s'endorment et ils n'appliquent rien. Voilà. Donc c'est du dynamique, c'est du lourd. C'est pour ça que LBC, il y a le lien en dessous, rejoignez, parce que vous avez du archi méga lourd dedans. Je vous dis, YouTube, c'est la muse-gueule, LBC, c'est les infos privées que je ne partage pas en ligne. Voilà, que je ne partage pas sur YouTube, quoi. Donc voilà les amis, avant de partir, n'oubliez pas que je vous ai donné exactement comment vendre sur Le Bon Coin, comment gagner beaucoup, rapidement, facilement. Vous prenez la méthode que je vous ai montrée à l'écran là, vous la répliquez, vous trouvez des nouveaux produits tous les jours, toutes les semaines, vous les recevez dans vos boutiques, et derrière, en faisant ça, vous allez prendre 6 euros là, 6 euros là, 6 euros là, je vous garantis que ça va très vite. Si vous commencez au début, vous faites ça avec des produits pas chers, des produits de basse valeur, mais après, vous pouvez faire ça avec des télés, avec des écrans portables, avec des micros, j'en sais rien, avec deux objets beaucoup plus chers. Et au lieu de prendre 6 euros par produit, vous allez prendre 20 euros par produit, 30 euros par produit. Au final, 175 euros, 150 euros par jour, ou 175 euros par jour, c'est pas grand-chose. Hein. Vous prenez la calculatrice, on fait un calcul simple. Regardez, 175 euros par jour, vous... Ouais, 100, pourquoi ça fait ça? Ouais, ça fait chier cette nouvelle calculatrice. Je comprends rien, quoi. 160. Pourquoi c'est comme ça? Bon, je sais pas. Ils m'ont changé ma calculatrice. Ah, déjà, d'ailleurs, si vous savez dans les commentaires comment remettre la calculatrice de l'époque, avec le point, avec les trucs comme ça, ça serait cool. Parce que on dirait que je suis un mongol, mais en fait, je suis nouveau sur Mac, donc il y a des trucs que je maîtrise pas. 175, vous allez diviser par. Je sais pas, vous faites 20 euros de bénéfice par... Ah mais non, mais du coup, ça marche pas parce que ça a bugué. Bon, bref, ça a bugué le truc. Ok, c'est moi qui l'ai fait bugger. 175 divisé par... Allez, vous faites 20 euros par commande, c'est pas grand, énorme. Il vous faut juste 7 commandes. Vous imaginez? Avec 7 commandes, vous faites 20 euros de bénéfice net en moyenne par commande. Il vous faut juste 7 commandes pour arriver à faire 175 euros par jour. Et 175 euros par jour, les gens qui réalisent pas 175 euros par jour net, j'ai bien dit. Putain, mais qu'est-ce que je fais? 175 euros par jour multiplié par 30, parce que vous vendez, ça fait plus de 5000 euros, ça fait quasiment 6000 euros. Donc vous pouvez faire entre plus de 5000 euros en faisant 7 commandes à 20 euros par jour net. Voilà, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais même si vous en faites que 2 par jour à 20 euros de bénéf, de plus tard quand vous allez vendre des produits plus chers, ça vous fait 40 euros par jour, 40 euros par jour par 30, ben vous avez déjà fait plus qu'un SMIC déjà en faisant 2 commandes par jour qui vous prennent 5 minutes. Donc c'est ça que je vous dis, l'achat-revente, c'est un gros potentiel, il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent rapidement et facilement si vous sélectionnez les bons produits, si vous avez les bonnes stratégies et si vous appliquez les bonnes marges, etc. Et vous vendez sur les bonnes marketplaces, sur les bons sites. Et derrière, vous imaginez, en 2 commandes par jour, vous avez 40 euros dans votre poche, ça vous fait 1400 euros par mois net. C'est comme si vous avez travaillé 40 heures par semaine alors que vous avez travaillé 5 minutes par jour, quoi. Incroyable. Voilà, donc voilà le potentiel, il y a beaucoup de cash à faire, donc lancez-vous. Passe à l'action, mettez-moi un gros like, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et je vous mets un lien juste en dessous pour rejoindre LBC. Ce soir minuit, c'est fini, donc il vous reste juste quelques heures. Après ça, le prix va doubler. Allez les amis, je vous souhaite de bonnes ventes à tous. Je vous aime
et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.